votre salle de classe. In your classroom. Vous aviez votre ami qu'on appelait Solange. Quand vous faisiez la classe de seconde, quand vous étiez avec Jacqueline, cette fleur, elle venait dans votre terminale. Elle quittait la terminale B pour la terminale A. Hein? Elle quittait la terminale B pour la terminale A. Quand vous étiez à l'école primaire, sur votre maître qu'on appelait Monsieur Guillaume, et sur votre camarade de classe qu'on appelait Nelly. À Penja. Vous êtes à Penja? Vous vivez là-bas? Je vis ici, papa, je vis ici. Et si vous avez vécu à Penja? Et si vous avez vécu à Penja à un certain moment? Oui, papa, jusqu'en classe de terminale. Jusqu'en classe de terminale, ça c'est bien. Regardez, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand vous voyez, je suis arrivé quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein? Oui, papa. Il y a quelque chose qui s'est passé quand vous étiez à Penja. Oui, ici, là, vous sortiez souvent de la maison. Quand vous sortiez de la maison, de chez vous, hein? Quand on sortait de chez vous, quand on va à Penja, votre entrée était à droite. Hein? J'ai oui, vu papa. Une entrée à droite, mais loin là-bas. Hein? Hein? Loin là-bas. De, oui. En allant de l'ouest. Oui. Donc, quand on sortait, on sort. Quand on sort. Quand vous sortiez de la maison pour aller à l'école, vous sortez jusqu'au goudron. Hein? Oui, papa. Vous sortez jusqu'au goudron. J'ai vu le goudron. Vous sortez jusqu'au goudron. Et j'ai vu quelque chose comme un marché. Comme un marché. Hein? Comme si les gens vendent des choses. Les on fruits. Vend des fruits. Hein? Avec un panneau publicitaire. Quelque chose comme ça. Bon, quand vous sortiez de la maison, de votre quartier, quand on venait. Avant d'arriver au carrefour à droite, il y avait un petit garage. Un garage où il y avait comme des motos. C'est comme si c'était des motos qu'on réparait. Oui, papa. Hein, vous connaissez ça? Oui, papa. Je vais vous dire quelque chose. Le garçon qui a le garage là s'appelait Nzé. Nzé Armand. Hein? Il s'appelait Nzé Armand. Donc, vous passiez là, vous connaissez le garage. Vous connaissez le garage? Hein? Non, papa. Vous ne connaissez pas le garage? Vous ne vous rappelez pas du garage? Le garage, mais le nom. Ok, vous connaissez le garage? Oui, vous connaissez le nom du propriétaire du garage? D'accord, on l'appelle Nzé Armand. Nzé Armand. Il y a quelque chose qui s'est passé en rapport avec le garage. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Vous serez étonné. Il y a une destinée que vous avez, mais qui n'est pas accomplie, qui a été volée. Je vous dis la vérité. Il y a une destinée qui a été volée. Mm-hmm. Il y a une destinée qui a été volée. Elle a été volée. Et je vais prier pour vous, pour la restauration. Amen. Jésus-Christ est Amen, Seigneur. Papa. Et il est ici. Amen. Vous avez tout fait. Quand je regarde votre cœur, vous êtes quelqu'un qui veut réussir. Vous voulez être un modèle pour votre famille, une référence. Vous êtes un parapluie pour la famille. Oui, prendre soin de la famille. Oui, c'est ça? Mais vous ne savez pas les choses qui se sont passées. Pourquoi tout ce que vous faites dans la vie ne marche pas? Hein? Je vais vous expliquer une histoire. À l'époque, quand vous étiez à Penja, il y a une fille qu'on appelait Flore. Hein? Il y a une jeune fille qu'on appelait Flore. Et la jeune fille ici, je vous ai parlé du garage. Hein? Je vous ai parlé de son Zé Armand. C'est Zé Armand, non? Qui était au garage, qui avait le garage. Oui, papa. Ce Zé Armand aussi. Il y a une fille à l'école chez vous qu'on appelait Flore. Flora. Hein? À l'époque, quand vous faisiez terminale, il y a une jeune fille qu'on appelait à l'école chez vous, Flore. Ça, c'est une fille que vous connaissez. C'était l'amie de Claire. Claire qui était dans votre classe. Oui, papa. Hein? En terminale. Oui. Et oui. C'était l'amie de Claire. Claire était dans votre salle de classe. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous vous souvenez d'une Claire en classe? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Vous vous souvenez d'une Claire? Une Claire. Oui, papa. C'était qui? C'était un camarade de classe. Vous n'avez pas de relations particulières. Vous n'avez pas de relations particulières. D'accord. Flore était l'amie intime de Claire. Oui, papa. Vous comprenez? C'était l'amie intime de Claire. Et cette Flore, quelque chose s'est passé et que vous ne connaissez même pas. Hein? Cette Flore, elle venait dans votre terminale. Elle quittait la terminale B pour la terminale A. Hein? Elle quittait la terminale B pour la terminale A. Et quand elle venait voir son amie, hein? Claire, et elle traversait le garage. Et le Zézi a aimé Flore. Hein? Regardez comment il fait le visage. Je vais lui raconter une histoire compliquée. Le Zé s'y a aimé Flore.
Et la flore, si vous aimez. Hein? Enzé pensait que Flore vous aimait. Et à cause de ça, pour que Flore l'aime lui et non pas vous, l'Enzé, si le gars prend votre nom et il dit ok, je vais aller gâter la relation. Voilà où les problèmes ont commencé avec vous. À cause d'une fille avec qui vous n'aviez même pas d'affinité. Hein? C'est-à-dire que vous avez été victime d'une jalousie gratuite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que vous faites, hein, tout ce que vous faites, c'est compliqué. Papa, je confirme ce que vous dites parce que en ce moment, je ne voulais rien regarder. C'était l'école. C'était l'école. Je ne voulais rien comprendre. En fait, il y avait beaucoup de filles. Il y avait beaucoup de filles. Ouais, il dit qu'il y avait beaucoup de petites là qui... Voilà, mignon garçon. Quand tu es là, tu pries pour qu'une fille te voie. Lui, il y avait plusieurs. Il avait l'embarras des choix. Vous venez de quelqu'un qu'on appelait Zach. Zach. Vous vous souvenez de Zach? Zach, c'est mon... Hein? Zach, c'est qui? Mon collègue, actuellement. Vous travaillez avec lui? Papa. Hein? Oui, papa. On l'appelle comment? Zach. Zacharie. Zach, oui. Zacharie. Vous êtes amis? Pas des amis. Nous sommes juste... Hein? Nous sommes juste des collègues, papa. Vous êtes des collègues. Nous changeons quand même par rapport au problème du travail. Ok, vous n'avez rien remarqué? Bon, depuis un certain temps, il a parlé. Il a. Il se sent zélé, je ne sais pas. D'accord, soyez prudent. Amen. Hein? Amen, papa. Soyez prudent. Vous avez donné son nom à quelqu'un ici? Non. D'accord, écoutez, soyez prudent. Amen, papa. Vous comprenez? Amen. Soyez quoi? Prudent. Soyez prudent. Soyez prudent. Le Seigneur vous aime. Amen. Il y a quelqu'un qui vient qu'on appelle Armand. Hein? Il y a quelqu'un qui vient qu'on appelle Armand. Dans votre lieu de travail, il y a quelqu'un que vous allez recevoir qu'on appelle Armand. Armand. Hein? Armand. J'ai dit que. Je pense que c'est un prestataire. Non, c'est... oui, c'est un prestataire. Il n'est pas votre collègue. C'est pas un collègue, c'est un prestataire. Hein? Ça, il est en train de venir. Et il y a un problème qui risque de sortir. La dernière fois que vous avez été en contact avec lui, c'est quand? Plusieurs mois. Plusieurs mois. Je ne me souviens plus exactement, mais ça a fait plusieurs, 3 ou 4 mois. On l'appelle comment? Amen. Maintenant, faites attention. Parce que je l'ai vu revenir. Et il vient. Et si vous faites affaire avec lui, évitez. Sinon, la police, les menottes, Niobel. Amen, Jésus papa. Vous aime. Hein? Amen. Ce matin, vous venez d'être sauvé de la prison. Amen, papa. Amen. Seigneur, libère ses finances au nom de Jésus. Amen. Manifeste sa grâce, ta grâce dans sa vie. Que sa famille soit étonnée des choses que 2021 apportera à sa vie au nom de Jésus. Amen. Amen.